Bien, bonjour, monsieur Zinkernagel. Bonjour. Merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. C'est bon. C'est un grand honneur de vous avoir. Donc, justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Oh, je suis un vieux chercheur. J'étais à l'université de Zurich pendant au moins à peu près 30 ans. Auparavant, j'étais à la Hoya, à la Scripps, et à la Australian National University à Canberra et à Lausanne. Mais j'ai fait mes études à Bâle. Alors, quels ont été les éléments déclencheurs de votre passion pour la science, la médecine? Oh, pendant longtemps, je ne savais pas ce quoi faire, c'est-à-dire étudier, parce que j'avais beaucoup d'intérêt dans la préhistoire, dans l'ethnologie, dans la chimie et médecine. À la fin, j'ai fait la médecine et j'ai jamais regretté de le faire parce que la médecine offre quand même des problèmes très biologiques et très importants parce que sans une maladie, ou avec une maladie, on sait bien qu'il y a la biologie qui ne fonctionne pas convenablement, et c'est pourquoi on trouve des solutions, je pense, souvent très importantes. Alors, vous avez gagné le prix Nobel, donc sacré, un prix très prestigieux. Est-ce que vous attendez à gagner ce prix et qu'est-ce que vous avez ressenti? Oh, à ce moment, quand nous avions fait les expériments qui ont été après publiés en Nature, on savait que c'était très important parce que ça ouvrait quand même une interprétation, ce qu'on nomme la réaction de transplantation, que en fait un patient rejette un rein ou la peau d'un donneur qui n'est pas son jumeau identique. Et là, on avait quand même une idée que ça peut nous dire que, en fait, ce rejet de greffe est seulement une situation artificielle du rejet des cellules infectées par un virus. Alors aujourd'hui, avec la crise sanitaire, est-ce que vos travaux peuvent-ils servir? Là, il faut être très prudent parce qu'en fait, les cellules cytotoxiques avec lesquelles on a travaillé, qui tuent les cellules infectées ou transformées comme dans une tumeur, c'est toujours des manifestations destructives. Une chose qui n'est pas apparemment très importante dans les infections aiguës, c'est-à-dire dans des infections qui nous tuent dans le délai de 7 à 10 jours. Parce que là, la seule chose qui est vraiment décisive et importante, c'est les anticorps protectifs ou les anticorps neutralisants. Et ça, c'est aussi le cas avec le COVID-19, parce que là, c'est les CD8, donc les killer T, les cellules tueuses, et en plus aussi les CD4 T-cells qui font du dégât, de l'inflammation chronique et à la fin du dégât, sans vraiment influencer d'une manière importante la réplication du virus. Donc, dans le cadre du COVID-19, c'est les anticorps neutralisants qui protègent. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on a tout découvert en termes de maladie du virus ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses à découvrir? Oh, n'est-ce pas, ça dépend un petit peu si vous êtes optimiste ou pessimiste, hein, mais en principe, on sait très bien, comme le Covid nous montre, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent soit arriver, soit se développer, soit être découvertes. Et là, je crois qu'il faut être
vigilant et voir les choses et voir les et analyser bien les maladies. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les virus sont dus aux activités humaines et non plus naturelles? Dans le cas de COVID-19, je crois que ce n'est pas encore clair, hein? Mais il y a au moins, n'est-ce pas, il y a quand même des indications qui disent que à Wuhan, avec un niveau 4 laboratoire, si ça commence là, il y a quand même certains doutes, hein, qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Alors là, il faut attendre et voir les résultats. Mais là, je suis un petit peu pessimiste, en fait. Ouais. Comment vous, de l'intérieur, vous l'avez vécu et qu'est-ce qui vous pousse tous les jours à transmettre vos connaissances? Bon, en principe, de dire aux jeunes qu'on ne peut pas vraiment planifier tout dans la vie. Il faut voir, il faut prendre un sujet qui intéresse, il faut être bon et intellectuellement alerte, et il faut essayer de résoudre des questions et des problèmes biologiques importants, et les maladies, c'est des problèmes importants. Sans ça, ils ne causeraient pas de maladies. Voilà. Et il faut être patient, il faut travailler dur, il faut avoir un bon environnement familial qui supporte cette activité un petit peu artistique à la fin. Et il faut beaucoup de chance parce qu'à la fin, justement, comme j'ai dit, on ne peut pas planifier beaucoup de choses. Des fois, les choses arrivent et là, il faut surtout pas dormir. Quelles ont été vos rencontres déterminantes au cours de votre carrière? Oui, il y a plusieurs personnes qui étaient très importantes. L'inventeur de l'interféron à Zurich, le professeur Lindemann, des chercheurs à Lausanne comme Isliker, Cerotti, Niebrunner, des chercheurs surtout aussi à Canberra, à l'ANU, comme Bob Lampton, Peter Doherty, avec lui j'ai fait tous ces travaux sur la restriction et on a partagé le prix Nobel ensemble, et Gordon Ada. À La Jolla, il y avait Frank Dixon, un géant de l'immunopathologie, et de retour à Zurich, j'ai travaillé surtout avec Hans Hengartner, qui est soi-disant ma main droite ou gauche, comme vous voulez. Alors, quel souvenir, quelle trace aimeriez-vous garder dans votre passage sur cette terre? Je crois à la fin, la trace sera représenté par mes enfants, qui sont en principe aussi des médecins, qui font de la recherche. Alors, je crois que ça, c'est le plus important. Et d'autres, j'ai contribué un petit peu pour mieux comprendre les choses. Mais il faut toujours réaliser que, en fait, si Pete Doherty et moi-même n'auraient pas trouvé ces données expérimentales, quelqu'un d'autre l'aurait trouvé, soit dans la même année ou quelques années plus tard, hein, parce que les choses ne sont pas vraiment inventées, ça, c'est déjà là, dans la nature, et je crois là, il faut quand même être assez modeste. Alors, ma dernière question, aimerez-vous remercier les personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes? Oui, bien sûr, justement, je les ai nommés quasiment tous, surtout ma famille, ma femme, et mes enfants et tous les chercheurs qui ont contribué à ce résultat. Ouais. Super, bah, sur ce, Monsieur Zinkernagel, merci beaucoup pour votre temps. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.